Merci pour votre invitation. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai hésité à vous répondre positivement parce que c'est toujours très difficile de parler de soi-même, de son intimité, etc. Et puis finalement, j'ai accepté parce que ça voulait dire que je n'étais plus complètement tributaire de mon passé, que je m'en étais dégagé sans pour autant l'oublier parce que quasiment quotidiennement, il me revient à l'esprit. Et puis c'était aussi surtout la dimension professionnelle. Et j'ai apprécié aussi votre vocabulaire, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Donc au niveau de l'échange par les courriels, on sent qu'il y a des atomes crochus. Ça se sent, donc ça engage à aller plus loin. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai accepté. Donc je vous en remercie parce que ça me permet aussi, encore une fois, d'être dégagé de tout ce passé dont j'ai été tributaire pendant des décennies. C'est vous dire que les origines sociales, la détermination des origines sociales, vous ne les évacuez pas comme ça d'un coup de doigt, surtout dans le milieu universitaire qui n'est pas un milieu particulièrement ouvert, le moins s'en faut. Donc voilà pour l'introduction. Donc on peut commencer, si vous voulez, par l'enfance, pour la trajectoire. Alors l'enfance, je suis né dans le Morvan. Les auditeurs ne savent pas où se situe le Morvan, ils confondent souvent avec le Morbihan. Donc le Morvan, c'est un horse granitique à la bordure orientale du Massif central. Mais ça, c'est une approche globale. Moi, je suis très sectaire, je ne suis pas natif du Morvan, je suis natif du Haut-Morvan. Ça change tout. Comme vous le savez, du Haut-Morvan, les gens de la Terpienne vous disent qu'ils ne viennent ni bon vent ni bonnes gens. C'est de la racaille, hein, ces gens-là, il faut faire attention. Donc, je suis né en milieu rural. Est-ce que je dois vous dire l'année, ça risque de briser mon image auprès des jeunes filles. Je ne sais pas si je peux le dire. Non, pour être plus sérieux, je suis né en début de la guerre, ça veut dire en 1941. Donc, j'ai au-delà de 80 ans. Milieu rural complètement inculte. Je n'ai plus honte de ça. Si je peux le dire maintenant, ça veut dire que j'ai réglé mes comptes avec la honte sociale. Ma mère, qui était une brillante intellectuelle, était simplement une gardeuse d'oies. Elle gardait les oies dans le Morvan. Elle était à l'école primaire jusqu'en CM2. Mon père, qui était d'un statut social un peu plus élevé, parce que ce n'est pas les hommes qui gardaient les oies, c'était les femmes qui gardaient les oies, était bûcheron. Bûcheron dans le Morvan à l'époque où les forêts morvandelles étaient de très belles forêts. L'hymne régional du Morvan, on faisait toujours référence à nos belles forêts, les eaux claires, etc. Maintenant, ils ont tout saccagé avec les conifères pour Noël et tout ça. Donc, on a un paysage lépreux, alors qu'avant, on avait un paysage fabuleux. Donc, il était bûcheron, mais bûcheron avec une spécialité, c'est-à-dire il allait dans le bois, comme l'expression de l'époque, il coupait là et il transformait une partie de ce bois en sabots. Donc, si vous voulez, j'ai grandi avec les sabots. Mais il y avait deux types de sabots. Il y avait le sabot de la semaine, où c'était comment dire, brut, il n'y avait rien. On mettait un peu de paille comme ça dedans pour l'heure. Et puis ensuite, il y avait le sabot du dimanche. Il fallait quand même respecter les dimanches. Donc, les sabots du dimanche, c'était avec une, comment on appelle ça, pas une lanière, mais enfin, un truc en cuir comme ça, qui facilitait. C'était beaucoup moins douloureux que le sabot. Ça, c'était avant les galoches. Ensuite, il y a eu les galoches avec des semelles en bois. Donc, vous riez, moi aussi, parce que c'est quand même toute une époque qui est très significative. Le rapport aux souliers, c'est pas n'importe quoi, hein, le rapport aux souliers avec ce que l'on voit là, avec les baskets ou je ne sais trop quoi, je ne citerai pas de marque. Mais il n'y avait pas d'enjeu particulier sur les sabots. Si ce n'est que certains sabots, quand même, on mettait une couche un liquide, je ne me souviens plus exactement, une espèce de cire, un truc comme ça, là. Surtout pour le dimanche, pour frimer quand même un petit peu. Donc vous voyez, un milieu complètement inculte,
je dis bien complètement inculte, ça veut dire j'ai jamais connu de journaux, j'ai jamais connu de livres dans mon enfance. C'était une situation qui a prévalu jusqu'en 1947. 1947, ma mère était, j'ai conservé des photos de son mariage, était effectivement une belle femme. Donc, une belle femme, gardeuse d'oie, il faut la marier rapidement, hein, c'est une louche à nourrir en moins. C'était ça aussi. Donc, elle s'est mariée très tôt. Elle s'est mariée, elle avait à peine 16 ans. À mon père, qui lui avait plus de 13 ans de son aîné, c'était un monsieur qui présentait toutes les qualités d'un bon époux. C'était un gros travailleur. Il n'était pas buveur, il n'était pas coureur, comme on disait à l'époque. Donc il avait toutes les qualités. Bon, bien sûr, c'est quelque chose qui n'a pas pu marcher. Hein. Ensuite, il y a eu le divorce en 1947. En 1947, on était à l'époque quatre enfants. Donc les modes de séparation, les modes de divorce à l'époque, c'était les deux aînés restaient avec le père et les deux cadets partaient avec la mère. Donc, ma sœur et moi, on est partis avec ma mère et sa valise en carton, dans la région parisienne, sans aucune structure d'accueil. Donc, dans ces circonstances-là, c'est un peu le cas actuellement, si vous ne connaissez personne, vous êtes immédiatement sur les marges. Donc, ma mère avait trouvé chez un bougna, un bougna auvergnat qui vendait du charbon, comment ça s'appelle ça, j'ai oublié le terme, des boulets, ah, j'ai oublié le terme, qu'importe. Donc, un petit truc, peut-être, je ne sais pas, 8 mètres ou 10 mètres carrés, donc c'est dans ces circonstances-là que j'ai grandi, sur ce qu'on appelle actuellement le périphérique. Mais à l'époque, c'était les fortifs. Fortifs, c'était l'abréviation de fortification. Tous les périphes, c'était les boulevards, Fort de Vaux, etc., etc. Donc, dans un endroit où il y avait quatre passages, ce qui était intéressant, mais là, je vous parle avec le recul, c'est qu'il y avait une hiérarchie très forte au niveau des quatre passages. Vous avez un passage qui était le summum, c'était ceux qui travaillaient dans le métal, ceux qui chinaient, qui ramassaient des métaux, ça, c'était le top. Ensuite, le deuxième, c'était les chiffons et les papiers. Déjà un petit truc inférieur. Le troisième, qui eux n'avaient aucune spécialité, donc c'était vraiment très très mauvais. C'est vous dire à quel point c'était hiérarchisé, hein, y compris dans la composition sociologique des quatre passages. Et le quatrième passage, qui s'appelait, si j'ai bonne mémoire, Touzelin, où là c'était un peu l'alcoolisme, les terrains vagues, etc., etc. Donc c'est là-dedans que j'ai grandi, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qui m'a profondément marqué parce que une sorte de conscience d'une plus qu'une différence. Je ne suis pas comme les autres. D'emblée, ces conditions sociales-là vous font prendre conscience, pas qu'une conscience politique, une conscience identitaire, que vous ne pouvez pas être comme les autres. À l'époque, sur le plan politique, le Parti communiste parlait des riches. C'est un baccalauréat qui nous parlait. Hein. Donc ces quatre passages-là, c'était avec les Arabes, avec les Portos, comme on disait à l'époque, donc les Portugais, un peu d'Espagnols, et puis les marginaux qui venaient de... Machin. Dans une ambiance là, qui était d'un racisme incroyable. Hein. On était organisés en petite bande. Je ne vous dis pas le vocabulaire que moi j'ai utilisé aussi dans ce moment-là. Mais c'était aussi une époque où il y avait une chaleur humaine, il y avait une solidarité, je ne dirais pas une solidarité de classe, parce que ce n'était pas le cas, mais une solidarité de groupe. Et c'est dans ce contexte-là que les religieux sont arrivés. Les religieux, avec la paroisse de Saint-Odile dans le 17e, qui était une paroisse de riches, c'était à l'époque de 54, le grand hiver, l'abbé Pierre, etc., etc. Donc ils sont venus pour construire une chapelle, donc ils sont venus avec leurs planches et tout le bastring. Nous, on piquait le bois pour se chauffer. Non mais j'en ris parce qu'après, quand j'ai raconté ça au curé, je suis athée hein, de surcroît, mais j'ai eu beaucoup de respect pour ces gens-là parce qu'ils ont une pugnacité incroyable. Tu nous piques le bois pour te chauffer, on comprend, mais ils revenaient encore après et finalement, ils ont réussi à construire leur chapelle. Et ce sont eux qui nous ont socialisés.
parce qu'ils nous prenaient dans les colonies de vacances, moyennant uniquement les allocations familiales. Donc, ils ont généré des processus de socialisation extrêmement intéressants à l'époque, d'avant-garde. Je dis bien d'avant-garde. J'entends par d'avant-garde, ça veut dire que lors des repas, on n'était pas obligé de réciter le bénédicité. On n'était pas obligé de réciter la prière avant de se coucher. Ils nous ont attribué des moniteurs qui avaient 5 ou 6 ans de plus que nous, avec un petit pécule, un vélo, etc. Ah ouais, ça marque. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça peut marquer. Le processus de socialisation s'est fait à travers ces gens-là, qui n'étaient pas des gens qui, politiquement particulièrement progressistes. Hein. Il faut distinguer les deux. Donc c'est grâce à eux, si vous voulez, que ces processus de socialisation, la prise de conscience de la différence. Souvent après, je disais à l'abbé, parce qu'on l'appelait l'abbé, je dis, mais vous avez fait, j'étais enfant de cœur, s'il vous plaît. Alors j'avais des rapports avec lui très bien après, j'ai dit, mais quand je vous servais la messe, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir les autres qui ouvraient leur main. Donc il riait, il prenait ça avec beaucoup de dérision. Donc ça veut dire qu'il y avait une relation fondamentalement humaine, sociale, et pas nécessairement religieuse. À un moment donné, après, ils ont vu que je n'étais pas complètement taré, donc ils ont proposé à ma mère de faire en sorte que je fasse des études. Mais faire des études au petit séminaire. Donc, quand ma mère a entendu ça, elle a dit « Niet, niet, il reste comme il est, mais on ne va pas l'envoyer au petit séminaire. » Ils n'ont pas du tout mal pris la chose, hein. Ils ont continué. Ils nous ont amenés avec ma sœur, ils nous ont amenés à Lourdes, ils nous ont amenés à Rome, ils nous ont amenés à les colonies de vacances en Bretagne. Mais on n'était pas des groupes bien disciplinés, bien gentils, hein. C'est-à-dire on volait des petits larcins, des chewing-gums, des bonbons, etc. Dans un petit village, je peux vous citer le nom, par exemple, à Pont-Croix, l'abbé avait réussi à faire 2 années de suite les colonies de vacances à Pont-Croix, mais pas une troisième année, parce que c'était un peu compliqué avec des lascars comme nous de faire les choses. Donc c'est vous dire que dépasser tout ça, c'est dramatique. Vous n'avez pas le vocabulaire, vous n'avez pas le comportement. Je peux vous citer des exemples, des anecdotes, où les finalités de charité, d'insertion, etc., vont complètement dans un sens contraire. Je vous ai fait référence à la paroisse de Saint-Odile. Vous voyez cette grande église rouge là, c'est un quartier de riches. Donc on était invités régulièrement tous les jeudis, parce qu'à l'époque c'était le jeudi, c'était le jour de congé dans l'école primaire. Donc on était invités à manger, ma sœur et moi, chez les riches. C'était notre vocabulaire. Hein. Vous rentrez dans un immeuble, vous venez de la zone, vous rentrez dans un immeuble, vous avez des tapis qu'il y a sur les marches d'escalier, vous ne savez pas s'il faut marcher sur le tapis ou s'il faut marcher à côté. Non, je ne plaisante pas, hein. Vous voyez, ce genre de détails-là, vous ne pouvez pas l'oublier. Donc on ne marchait pas sur les tapis, ce n'était pas nous. Mais marcher sur les parties droites, vous voyez, où il y avait des trucs, des barres en laiton, je ne sais pas quoi, la jaune, là, purée, je ne vous dis pas l'angoisse, hein. On arrivait à la table, on avait plus faim. C'était marrant comme tout, en plus de ça. Mais après, je leur ai raconté tout ça, parce que j'ai un peu dégagé. Ils vous traitent normalement comme ils traitent les autres. Donc il y avait 36 fourchettes, 300 verres, 400 assiettes. Couper l'appétit, vraiment, on n'avait plus faim. Non, mais ça, c'est dramatique. Hein. Il y a un gouffre culturel comme ça qui fait en sorte que vous prenez conscience de beaucoup de choses, mais que dans un premier temps, c'est un repli, c'est quasiment traumatisant. Hein. Donc ce que je vous raconte maintenant, je vous le raconte avec des décennies après, mais au niveau de notre vécu, quand on y allait un petit peu contraint et forcé. Hein. On ne savait pas ce qu'il fallait dire, on ne savait pas quel vocabulaire utiliser, donc complètement coincé. En tout état de cause, dans la durée, ça a eu quand même des processus de socialisation, de prise de conscience de l'autre. Les autres, ils sont différents, ce n'est pas nous. En même temps, je me dis, je ne serai jamais comme eux. Ce que j'ai conservé jusqu'à maintenant, je ne serai jamais comme eux. Je pourrais affirmer mes différences. Voilà. Donc c'est ça le contexte.
Donc dans cette zone-là, c'était jusqu'à la guerre d'Algérie, puisque j'étais incorporé en 60, 61, où ma classe était quoi, 60, oui, 64. Donc j'ai été au lycée, je dois vous dire que, je vous le dis ou je vous le dis pas? J'ai fait simplement que trois lycées pendant une année scolaire. Trois fois, on m'a foutu à la porte parce que j'étais trop discipliné. Toujours le dernier. Enfin bref, vous voyez, toute cette violence sociale là, qui était emmagasinée, etc., et qui à un moment donné avait besoin de s'exprimer. Hein. Donc trois fois. Donc, et après, je suis rentré, j'ai travaillé à la SNCF. J'ai travaillé à la SNCF. Ça, c'était en quelle année? Je ne me rappelle même plus. Hein. Je devais avoir 18 ans, un truc comme ça, là. Donc, ça devait être de 41, de 58, 59, un truc comme ça. Ah oui. Pourquoi aussi le fait que à trois reprises, j'ai d'abord été au lycée Chaptal, ensuite au lycée Carnot, et j'ai été la même chose, parce qu'on avait collé des affiches contre. De Gaulle arrive au pouvoir. Non, mais il faut vous dire qu'on a réussi à piquer les clés du lycée pour rentrer et mettre des affiches stupides sur toutes les portes des classes. Non, c'était. J'en ris parce que. J'en ris parce que. Pourquoi j'en ris? Parce que c'est quelque chose quand même qui est amusant, qui est dérisoire, qui est amusant, mais qui n'est pas exclusivement amusant. C'est ça aussi qui m'a conditionné jusqu'à maintenant. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que ce passé-là, il est inoubliable. On ne peut pas l'oublier. Ensuite, vous le gérez différemment. Mais vous ne pouvez pas. Ça structure vos représentations, vos mentalités, vos déterminismes, vos relations affectives aussi. Ah oui, le conditionnement, nous, nos copines, c'était des copines de la zone. Hein. On ne pouvait pas imaginer aussi avoir une copine qui n'est pas du même milieu que nous. Donc la reproduction sociale, elle se fait. C'est le vocabulaire que j'ai maintenant, que je n'avais pas à l'époque. Alors, pourquoi ça? C'est parce que je suis un fervent combattant de la formation et du rapport à la culture. Pour moi, c'est fondamental. Fondamental, c'est à partir de là où vous pouvez vous en sortir et vous pouvez avoir des connaissances sur des registres différents. Donc, ça crée des conditions de l'insertion, quel que soit le milieu. Mais ça, il faut des décennies hein, avant d'arriver à ça. Peut-être que je vous en parlerai par la suite, dans cet rien, on verra. Donc, à la SNCF, j'ai été recruté d'abord à la voirie, ils m'ont mis à la voirie. Ensuite, ils m'ont mis aux marchandises. C'est très intéressant, il y avait des piles de trucs comme ça. À la mécanographie, pas la mécanographie, si, c'était un peu la mécano, où il y avait des rames entières de marchandises. Voilà. Et puis, là aussi, beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y avait le directeur du centre où j'étais, boulevard Cardinal, qui était un haut fonctionnaire, donc de rang A, est venu voir ce qui se passait un peu dans les bureaux, des trucs comme ça. Et il est passé dans mon bureau, il est venu voir, j'avais une pile de trucs comme ça, là, il m'a surpris en train de lire, parce qu'à l'époque, il y avait le CNTE, le Centre National de Téléenseignement. J'avais pas de bac, j'avais rien du tout. Il me convoque. Je dis putain, ça y est. En plus de ça, j'étais syndiqué CGT. Enfin, j'avais tout ce qu'il fallait pour moi. Et ce type-là me dit, mais pourquoi vous faites ça? Ben, je lui ai dit, écoutez, j'ai l'intention de me présenter au baccalauréat, etc. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, monsieur, je vais vous aider. Je vais demander à ce que vous soyez, comment dire, pour des raisons d'ordre médical. Vous irez à la bibliothèque de l'établissement pendant un mois et vous allez préparer le. Quand vous voyez un type comme ça, ça vous fait chaud au cœur, hein, vous dites que tout n'est quand même pas pourri. Probablement un type qui était probablement conservateur, etc. Mais ça veut dire aussi que dans les milieux de droite, vous avez aussi cette dimension humaine et humaniste. Et donc je dis, mais écoutez, moi la SNCF. C'est pas mon truc, hein. Je n'ai pas l'intention d'y rester après le service militaire. Si je trouve autre chose, ben, monsieur, ça c'est votre problème. Moi je vous fais une proposition, vous l'acceptez. Donc effectivement, oui, ces trucs-là, si vous additionnez le comportement des religieuses sur des objectifs qui sont les leurs, la charité, tous ces trucs-là,
Et puis le quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine, mais qui est haut fonctionnaire, c'est pas le gamin, hein, il devait être lettre A ou B, je ne sais pas comment ça fonctionnait un peu à l'époque, qui vous donne une chance inoubliable cette fois-ci. Une chance inoubliable qui fait en sorte que ça ne vous fait pas oublier tout ce que vous avez connu avant. C'est ça aussi qui est intéressant. La mémoire, elle n'est pas nécessairement sélective, elle est diversifiée. C'est comme ça en tout cas que je le dis, elle est diversifiée, elle fait en sorte que vous n'oubliez pas ça, parce que ça crée les conditions d'une dynamique. Le fait que vous soyez reconnu, c'est ça. Et puis en plus de ça, vous avez complètement intériorisé la dépendance. Donc, quand un type de ce niveau-là vous donne une chance, nécessairement, il y a un côté. Bon, c'est pas pour autant que j'avais quitté la CGT. Hein. Ça, c'était autre chose. Après, bon, j'étais incorporé en Algérie. J'étais sur un piton. Le piton, il s'appelait Bouzizi. C'est joli comme terme. Bouzizi, à la frontière tunisienne, dans le Djebel Edour, au-dessus de Annaba. Comment ça s'appelait Annaba? Beaune. Ça s'appelait Beaune à l'époque. Donc, incorporé, bon, vous savez, à l'époque, il y avait tout un mouvement pro-FLN, etc., y compris chez les appelés. Hein. Donc, les mouvements de masse, vous êtes dedans, vous ne savez pas pourquoi. Hein. À l'époque, je n'étais pas particulièrement politiquement conscient, si vous voulez, c'est petit à petit que la conscience politique s'est développée. Donc, les jeunes de... probablement des sursitaires, etc., se couchaient sur les rails pour empêcher les trains de partir. Le paquetage, on avait comme consigne de foutre le paquetage. Je parlais, donc on est arrivé en Algérie, les mains dans les poches, sans paquetage, sans rien. Donc nécessairement, allez hop, dégage, tu nous emmerdes, fous le camp sur le piton. Donc on était sur un piton, à Bouzizi, là, forêt de chêne et liège. Et puis... bon, c'était une époque un peu douloureuse, même si on faisait des... Moi, j'étais gonfleur d'hélices. Vous savez ce que c'est que les gonfleurs d'hélices? Oh, pas sérieux. C'est pas que c'est ça que les gonfleurs d'hélices. C'est l'armée de l'air. J'ai trouvé l'expression des gonfleurs d'hélices. Là aussi, c'était très drôle. Mais vous voyez, dans tous ces trucs-là, il y a toujours quelque chose de drôle qui tourne les choses en dérision et qui vous font... accepter, pas accepter, reconnaître les réalités, mais qui vous permettent d'être transcendés, de les dépasser, si vous voulez, gonfleurs d'hélices, j'ai trouvé ça très bien. Et sur un piton, il y avait donc les gonfleurs d'hélices, il y avait la bif, vous savez ce que c'est que la bif? Oh, pas sérieux. La bif, c'est l'armée de terre, les bifins. Mais les bifins, nous, notre vocabulaire, quand j'étais dans le passage qui était spécialisé dans les chiffons et dans les quartiers, on les appelait les bifins. Donc après, je retrouve les bifins qui ne sont pas du tout le même truc. Après, j'ai dit, mais d'où ça vient ça, la bifin? Pourquoi Mais c'est bien longtemps après qu'on se pose ce genre de questions-là. Et puis, il y avait les paras, quelques paras. C'était un piton, hein. Donc on faisait des sorties dans cette forêt de chêne-liège. Nous, gonfleurs d'hélices, on sortait en dernier. On avait peur. Moi, je me souviens, après, je vous raconte des anecdotes, peut-être que ce n'est pas très intéressant pour vous. Mais quand j'ai été libéré, bon, comme j'avais fait quand même un peu de tôle pour des raisons disciplinaires, j'étais deuxième classe et tout ça, là. Et donc, j'ai dû faire 4 ou 5 jours de rab. Il y avait le rab quand on n'était pas très gentil. Et j'ai appris sur le piton qu'on demandait, l'Algérie indépendante, parce que c'était à cheval, vous voyez, entre l'Algérie et le moment d'indépendance, ils recrutaient des instructeurs. À l'époque, c'est-à-dire des gens qui n'avaient ni le bac, ni de formation pédagogique, etc. Donc, comme moi, je ne voulais pas retourner à la SNCL, j'ai profité de cette occasion-là. Et puis, on m'a affecté à Tamaracet. Moi, je connaissais Tamaracet par le discours de De Gaulle, une seule France de Dunkerque à Tamaracet. Dunkerque, je localisais grosso modo, mais Tamaracet, comment voulez-vous que moi je localise Tamaracet? Donc, j'arrive à Tamaracet, pas d'école.
Non, c'est, l'Algérie était complètement exsangue. À l'époque, il n'y avait rien. Ils avaient fait sur les planning, etc. Donc, c'est à partir de là qu'il y a quelque chose qui bascule radicalement et qui va créer les conditions de la transition vers l'anthropologie. Mais on parlera de ça tout à l'heure, après.